Yeah. Cut it gang, cut it gang. Whoa, cut it gang, yeah, yeah, yeah. Cut it gang, cut it gang, cut it gang, we cut it gang, 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 cut it gang. Trop d'ambition, je veux pas de visage, j'ai demandé l'addition. Autos ripper, que des galères. Je veux pas de moteur, mais juste une portière. LSPD, bande de raquis, que des bavures, on dirait une orgie. Les EMS, des fonctionnaires, t'as mal au fou si te foutent une civière. Pendant que les gangs sont tous pipous, putain de merde, ils pleurent même à genoux. Des gens masqués, pas très OP, BDSM ou bien club privé. Et v'là le live, qui cherche le scoop. Pour un article que personne ne lit, les taxis crament, panne d'essence. Depuis que le bouffe roule en ED. Cali gang, Cali gang. Bon, on est à pied, perdez la voiture, passage à fourrière obligatoire. Personne qui travaille là. Ça c'est dommage.
trop chaud. Il fait vraiment trop chaud. 29 degrés à cette heure-ci, c'est épouvantable. Ok, je vais être obligé d'appeler un taxi. Putain, ça fait chier. Personne qui travaille encore à cette heure-ci. Ouais. Il n'y a pas de banque dans le Nord ? Ah si, il y a une banque là-bas. Il n'y a pas beaucoup, hein, des banques dans le Nord. Hein. J'ai trop chaud. Donc apparemment pas de taxi, super. Pas de taxi, pas de harvey, et personne qui travaille ici. Je sais pas comment je vais redescendre dans le sud, moi. Pourquoi les intérimaires aujourd'hui?
allô. J'ai raté votre appel là, excusez-moi. Vous travaillez chez les taxis? Tout à fait, des taxis. Ouais, parce que là je suis coincé dans le nord, j'ai eu un mal de crâne et mon véhicule a été récupéré par la FOER, je pense. Et aucun moyen de redescendre dans le sud, quoi, en fait. Bah écoutez, pas de soucis, moi je pars du dépôt, je viens vous chercher dessus. D'accord, bah je vous ai envoyé ma position. Ouais. Ok, vous êtes toujours au même endroit? J'ai pas bougé. Ah bah très bien, j'arrive dessus. Merci beaucoup, à tout de suite. À tout de suite. Yeah.
Ouais. C'est long. Tout ce temps perdu, c'est de l'argent perdu. Ah là là. Et bonjour monsieur. Et bonjour. Vous deviez demander un taxi. Oui, c'est ça. Eh ben me voilà. Attendez, bougez pas, excusez-moi. Attendez, hop. Installez-vous. Vous pouvez rester devant, c'est pas un problème. Ah ok, bon bah écoutez, merci beaucoup. Où est-ce que je peux vous déposer au... Est-ce que vous pourriez me déposer la banque au-dessus du Autos ? Parce qu'il va falloir que j'aille à la fourrière et il me faut que je retire des sous. Ah oui, c'est ça. Il y a une banque juste à côté, ce sera parfait. Tout à fait, je l'ai découverte en plus ce matin. J'ai fait un retrait et je savais pas qu'il y en avait une aussi proche. Ouais, c'est pratique. Très pratique. Mais j'étais en train de travailler et j'ai eu un petit mal de crâne et apparemment la fourrière est passée pour me prendre mon véhicule, quoi. Oui. Ils n'hésitent pas en général, hein. Ils saisissent toutes les occasions. Hein. Ah oui, hein, dès qu'il y a de l'argent à se faire. Ah hein. Oh bah ça. Attendez, en plus, moi je pars comme ça gaiement, mais j'ai pas mis la distance. On a quand même un bon gros chemin. Vous voulez que je vous le mette ? C'est bon, on va passer par là, d'ailleurs, on va pas suivre le GPS. On va prendre l'autoroute. Tout à fait, ouais. Le GPS n'est pas un si bon ami que ça. Je vous recommande d'éviter de le suivre un maximum, mais... Oui, il n'est pas toujours les meilleurs chemins. C'est le moins qu'on puisse dire. Il a la fâcheuse tendance de vous faire passer par des quartiers de gang et des trucs comme ça. C'est ça aussi, oui. Particulièrement agaçant. Et nous, les taxis, je sais pas, il a le plaisir de nous faire traverser les déserts... On passe toujours par les chemins de terre et les trucs. C'est un truc pas très utile, quoi. Donc là, il va falloir compter à peu près $450 pour le... Ah bah oui, de toute façon, là, vu comment je suis, tant pis, hein. Désolé, ça a baissé la rentabilité du trajet. Ah oui, oui, totalement. Ça, plus la fourrière, c'est un petit billet de 1000, quoi, tranquille. C'est les aléas, c'est perte et profit, comme on dit. Hein. Ça fait partie du truc. Ça fait toujours chier quand ça arrive. Hein. Y a des journées avec, il y a des journées sans, comme on dit. Hein. Ah bah, vous savez, moi, aujourd'hui, ma mission d'aujourd'hui, c'était de faire customiser mon BMX. D'accord. J'ai commencé à 10h ce matin. Mon BMX a été customisé, il était 17h. Donc vous voyez, il faut pas perdre espoir, il faut s'accrocher à ses rêves et y arriver. On finit par y arriver. Donc, et ça m'a coûté 2500 balles en plus. Ah, quand même. Quasiment le prix du BMX. On y repense. Vous avez un sacré BMX du coup maintenant.
Ah bah là, je suis assez content. Je sais pas parce que je me suis pété le coude à peu près 5 minutes plus tard en me mangeant un poteau, mais de ce que je me souviens, la couleur était pas mal du tout. D'accord. Pour une couleur un peu tache de pétrole, vous voyez, un peu noir, vert, comme quand il y a de l'essence répandue partout. Ah oui, d'accord, je vois. Ouais. Et c'est plutôt sympa. A priori, le truc apparaît noir, mais il y a un moment, si le soleil tape dedans dans le bon angle à 45 degrés, là, c'est pas mal. Il y a un petit effet. Et alors, c'est pas l'effet voulu, du coup, mais un vrai effet hologramme. Vous voyez les hologrammes. Ouais, quand on bouge comme sur la carte de crédit, tout ça, avec, d'accord, je vois. C'est ça. Donc, du coup, pour l'instant, j'étais plutôt satisfait du résultat, mais là, après, ambulance. Épaneuse, il faut que je récupère mon vélo auto, là, 500 balles de plus. Super, il y a des jours comme ça. Hein. Voilà. Aujourd'hui, mon vélo m'a coûté 3500 balles. C'est... Sacré vélo. Il faut le rentabiliser maintenant. Ah, là, j'ai promis au docteur que je l'utiliserai plus pendant au moins une semaine. C'était le coup de crème. En fait, je me le suis fêlé. Et plus tard dans la journée, je me le suis cassé les deux fois en BMX. Ouais, super. Ah, le docteur, il m'a tiré les oreilles. Mais bon, j'avais attendu, j'avais fait mon soin, on va dire, j'avais attendu bien comme il fallait. Et la deuxième fois, je m'étais protégé, j'avais la combinaison, le casque, tout le tralala, mais j'avais jamais pensé que le poteau m'assassinerait. Ouais, bah oui. Genre 10 mètres avant la rampe. Oui, genre juste avant de commencer, sinon c'est pas marrant. Hein. C'est clair, c'est clair. Oui, la police. Ça va, c'est pas à la banque, ça va. Bon, bah merci beaucoup, je laisse me faire la petite facture. Et ça sera parfait pour moi, merci bien en tout cas. Je m'en occupe dans un instant. Ok, ça marche. Alors, allons-y pour la douloureuse. J'allais dire, vous êtes c'est pas un petit boulot à côté. Non. Hop. Alors. Et, merci beaucoup et allez. Bonne soirée à vous, bon courage et remettez-vous bien. Il faut que je garde un peu d'argent pour l'essence. Vous donnez ça, ça vous fera la douloureuse. Oh non, mais c'était pas la peine, merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Au revoir. Sympa le taxi. Yeah.
Bonjour. Bien bonjour monsieur. Bonjour à vous. Il faudrait que je puisse accéder à la fourrière s'il vous plaît. Oh, ok, venez avec moi. Ouais. Vous avez bien les papiers du véhicule avec vous, tout ça, hein? Ouais. Vous avez bien 500 dollars? Ouais. Malheureusement, ouais. Allez, je vais entendre dire que les prix de fourrière allaient baisser un petit peu. Ah, ça serait une bonne nouvelle parce que là, aujourd'hui, la journée coûte cher. Alors, c'est peut-être ce dossier-ci ou celui-ci. Alors, attends. Pas la sortie. Ouais. Ouais, c'est sûr. Qu'est-ce qui s'est passé avec la voiture? Bah, j'ai eu un mal de crâne et la fourrière est passée la récupérer pendant que j'étais. J'ai eu un mal de tête, quoi, en fait. Voilà. Ok, je vais vous faire juste une petite révision, vous passez un petit peu de polish dessus. Ouais. Je le laisse là? Ouais, je vais l'emmener. Je reste dehors? Ça s'emballe. Allez, zou. Vous avez la carrosserie qui est complètement fracassée. Mais ma question, c'est est-ce que. Parce que le moteur est nickel. Est-ce que je vous laisse repartir comme ça? Parce que bah, 500 balles pour un fourrière, c'est pas mal. Ou est-ce que je vous répare ça en sachant que si je ne le répare pas, le moteur va prendre. Faites une réparation. Réparation. J'attends dehors. Ouais, allez-y. Ok. Ouais, là-bas. D'accord, ok. Sur la partie où il y a les plots rouges. Ok. Elle est sortie verte aussi. Ouais, elle est pas mal en verte. Elle est pas mal en verte. Merci JP.
Et merci et beaucoup. Ouais, monsieur, allez-y. Vous avez pour 412$, je vous fais une facture à 312. Ah, bah c'est sympa de votre part, merci vraiment. Je suis conscient que Fourier, en réparation, c'est plus. Ouais, plus le taxi qui m'a ramené du Nord, 450$. J'avoue que la journée a été un peu compliquée pour une intérim. Merci beaucoup. Vraiment, bon, c'est sympa de votre part. Je fais un petit geste, c'est très sympa, bonne merci. Bonne journée à vous, bon courage. Et on ouvre l'argent. Oui, mais oui, j'ai bien compris ce que la table dit. Et salut, ça va? Ouais, pff, galère, journée très galère. Est-ce que je peux juste mettre 70 salade lavée? Parce que, en fait, j'ai eu un gros problème, un mal de crâne et compagnie, j'ai perdu mon camion et tout. Donc, ce qui était dans le coffre, j'ai pas pu le laver. Et il faut que je retourne me réinscrire et tout. Donc, je fais juste 70 si ça te dérange pas, les 70 que j'ai sur moi. Je te les pose à l'intérieur? Ouais. Ok. Alpiater n'a jamais été autant significatif. Hein. L'arrivée à terre. Et voilà, Lyri, c'est posé. Merci beaucoup. Ça, c'est suspension. J'avais plaisir de voir un intérimaire. Ouais, bah là il va falloir que je bosse parce que cette histoire, toute cette histoire, ça va coûter 1500$ là, depuis tout à l'heure quoi. Donc, taxi, fourrière, plus réparation du bordel. Donc là, il faut que je bosse un peu. Écoute, t'as bien raison parce que là, aujourd'hui, il n'y a que toi qui bosses en intérim. Ah bah là, je vais y aller au moins pas deux petites heures là, il faut que je bosse. Il faut que j'aille des sous. Bon, bah écoute, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah non, mince, excuse-moi. Est-ce que je peux te redéroger encore un coup? Est-ce que je pourrais te prendre. Attends, bouge pas. Il me faudrait deux jus de pommes et deux maxi salades, s'il te plaît. Tu veux que j'aille de l'autre côté ou c'est bon là? Non, non, t'inquiète. Okay. On va faire chier. Juste le temps que je prenne ma petite caisse enregistreuse. Hop. Hop. Alors, deux maxi salades, tu m'as dit. Ouais, et deux jus de pommes. Et deux jus de pommes. Ok, nickel. J'arrive tout de suite. Ouais, je bouge pas. Je vais te chercher ça en test. Yep.
Désolé, hein, je verrouille, c'est pas pour toi, c'est pour la sécurité. Ah bah t'as bien raison. Alors... Le jus de pomme. Deux salades. Et je vais te faire la facture maintenant, ouais. Parce que j'aurais pas... Je vais faire à la fin. Alors... En 24. De dos, je sais que c'est Thomas. Salut Eden, comment ça va? Ça va bien, oh, ça va bien. Eden, j'espère que c'est pas toi qui... Non, je l'ai eu, c'est bon pour moi. La petite facture. Ok, bah si vous êtes là, ouais, alors je vais bosser un petit peu là, il faut que je reprenne un peu de sous là du coup. Ok, bah à tout à l'heure alors, j'y retourne. Désolé. C'est possible parce qu'il paraît qu'elle était blessée.
les frises de ouf. Et Thomas. Et ref. J'aurais 118 salades. 118 salades. Ouais. Oh, bah, ça change depuis tout à l'heure. T'as fait de la place. Ouais, non, mais le seul problème, c'est qu'en fait, j'ai eu un mal de tête. Ce qui fait que j'ai dû aller chercher mon véhicule à la fourrière et les salades n'avaient pas été lavées. C'est pour ça qu'en fait, je me suis débarrassé de ce que j'avais dans les poches qui avait été lavé avant que la fourrière récupère mon véhicule. En fait, galère. Ça m'a coûté 1 500 $ cette histoire. Entre le taxi qui est venu me chercher dans le nord, récupérer la fourrière plus sa réparation, donc compliqué. Ah oui, c'est pour ça que ce soir je vais bosser un peu pour, pour récupérer un peu les pertes. Je te les mets à l'intérieur ? Tu veux que je te les laisse dehors ? Non, bah, mets-les à l'intérieur. Okay. Le coffre il est ouvert ? Ouais, le coffre est ouvert. Ouais. Par contre là la porte elle est fermée. Donc c'est pour ça que tout à l'heure en fait j'ai rapporté que ce que j'avais dans le sac quoi en fait. Ouais ça a pété. Voilà. Ah bah attends, je me suis gouré dans le chiffre, merde, attends, bouge pas. 118, moi, 118 mais c'est sauf que j'ai au lieu de poser 18, j'ai posé 8. Attends, je pose à côté. Je pose à côté. Attends, je pourrais tout récupérer en one shot. T'inquiète. Ah ouais. Là, voilà. Ouais. Je te pose. Donc il y a bien 118. T'as récupéré les 50 dans le coffre. Ouais. Exact. Ok. Bon. Bah merci bien. Plus on tard. Je vais. Tu veux autre chose ou tomate, enfin patate et blé, ça te va? Que je reste dans le même métier. Je vais te dire ça. Blé, tac. Ok. Patate, tac. Et là, tu te ramènes des salades. Salade. Ouais, du blé. Blé, ok. Bah, du blé, ouais, je vais partir là-dessus. Alors. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
Allez. Faire un peu d'argent là, du coup. Seul ce soir. Travailler jusqu'à 23h et après pause. J'ai beaucoup trop de frise. Hein. Je sais pas si je vais pas tenir, si je vais tenir la soirée là. Yeah.
l'EMS, non. Pas du tout. Alors le U déjà pas trop, mais alors l'EMS, pas du tout. Après, il y a des interventions en... sur des blessures, des trucs comme ça. Mais j'imagine qu'il n'y a pas de pharma à l'EMS. Hein. Faudrait juste rester à l'hôpital, quoi. Et sortir à l'ambulance quand il y a besoin de sortir à l'ambulance, mais bon. Il n'y a pas de pharma. Hein. J'ai fait 181 ce matin. J'ai réussi à monter la bête jusqu'à 181. Ah, et pour chasser une moto, bah bonne chance à eux. Hein. Ils n'auront jamais la moto. Hein. S'il y avait un truc qui est compliqué à rattraper à part si le pilote est mauvais, c'est une moto. Hein. Hop là. Et re. Alors 118 blés. Ça vous va si je bosse jusqu'à 23h? Ça vous dérange pas? Ouais, ouais, sans problème. Pas de problème, je vais chercher les 50 restants. Et voilà, 118. Ouais, ça fait 78. Oh putain, bon, je t'ai donné un dollar. Bah, tu veux que je te les rende? Merci bien. Bah, toi aussi, t'enlèveras sur le prochain, c'est pas grave. À toutes.
bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Attends, j'ai pas posé les miennes. Oui, mais je vois ça. Mais il a pas pris des siennes non plus. Prends les siennes, nom de Dieu. Ah oui, bah oui, c'est pour ça que je peux poser mes. Ouais, excuse-moi. Bon, vas-y. Vous allez bien ? Ça va et vous ? Ça va. Je croyais que j'étais tout seul à bosser ce soir. Mais bon, ouais, pas ce soir. Vous qui avez cassé la mule ? Non, j'ai jamais utilisé la mule, moi. Ah, moi, j'ai mon petit body à moi, tranquille. Oh, petit, on sait pas, vous avez acheté un body. Hein. Bah, c'est pas cher. Oui. C'est de la place encore. Bah, 40 kilos, ça fait une cinquantaine, mais c'est bien, ça bosse. Moi, je cours pas après les véhicules, quoi. Non, c'est tout bon, hein. Pardon. À vos souhaits.
576. Pardon. J'en prends 10 quoi. Je mets à quel nom ? Excusez-moi, j'ai pas compris. John. John. Merci. Et vous en avez du coup ? Pour le même temps. 280. Oui, 80, c'est ça, oui, pardon. Merci à vous. Et plus tard. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Et salut, ça va? Moi, ça sera 119 blés. Hop, et c'est au nom de Thomas Marlowe. Ok. Et je vous dois 714 dollars. Yep. Continue sur le blé, il m'a dit qu'il en avait besoin, donc ok, bah, de toute façon, comme j'ai dit, je ferai jusqu'à 23h et après j'irai prendre m'installer chez vous pour boire un coup. À tout à l'heure.
Ça te...
a pas de... C'est remoi. Cette fois-ci, c'est 120. Pour 100. Thomas Marlowe. Et 120, du coup, ça fait 720. Ok, bah merci. J'en fais encore de petites et ça sera bon. De petits allers-retours et ça sera bon. Et bah, parfait. Et bah, à tout de suite. La corde dernière, on va essayer. On a perdu beaucoup d'argent aujourd'hui. Hein. Ce matin, là, avec la déco,
2 heures au moins de boulot, plus les 1 500 $. J'en ai contre-productive. On va essayer de compenser un peu là. Mais... Je bois des litres d'eau là. Enfin, des litres, j'exagère, mais. Et chaud. C'est beau ça, un petit coucher de soleil là-bas. Et coucou Saga, comment ça va? Tu vas bien? Est-ce que tu regardes un peu la fin de Feli ou pas du tout? Les dernières histoires. Reste 3 jours. Hein. 21, la 21 Jump Click. D'accord. Ouais, c'est un gros serveur, la 21 Jump Click. Ouais. Ouais, les discussions comme. On voit les gens qui partent sur les chaînes HRP quoi. Ça part en masse. En tout cas ceux qui se sont inscrits. Merde. Ah tu joues? Ah bah c'est bien. C'est bien, t'as réussi à trouver encore un peu de motivation pour jouer. Moi j'avoue que bon. Sur le canal Mirror, ça a été assez clair que il y en aurait plusieurs qui seraient plus là, quoi. Donc, j'avoue que j'ai lâché l'affaire. Ceux qui se sont whitelist là sur Cali, pour l'instant, les Feli qui sont, bah, ils jouent encore sur Feli, donc ils sont pas très présents. Ouais. Et elle est présente, ça va? Parce que moi, les quelques jours où je me suis connecté, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu du tout. Je sais qu'elle s'est pas whitelist. Elle s'est pas whitelist sur Cali. De Mirror Park, il y en a 3 ou 4 qui sont whitelist. Après, bon, je sais pas s'ils jouent. Oui, bah, ouais. Ça. Allez sur Soz, ouais. C'est bien, ça va lui convenir à Soz, je pense.
Ouais, t'attends la fin quoi. Bah, il y a plus de 3 jours, hein. Mardi c'est fini. Hein. Demain ça va être la grosse journée de RP, puisque c'est toujours le dimanche la plus grosse journée de RP. Et après, bon, lundi. Bon, de toute façon, là je pense que ça va être. Il y avait un concert là aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait un concert, ils ont des événements tous les soirs. Bon, après les concerts, il y en a beaucoup. Hein. Parce que là, je crois qu'il y a eu concert il y a 2 jours, il y avait concert aujourd'hui, je crois qu'il y a concert demain. Ouais. Ouais, surtout que ouais, tu le joues de façon RP et tu sais de façon HRP qu'il n'y aura pas de. En tout cas, il n'y aura pas. Je sais pas si Yava fera. Enfin, je sais pas. Je peux pas te dire vraiment où j'en suis. Je pensais qu'on. Je pensais qu'on serait présent et que du coup, ouais, on ferait ce genre de choses. Tu vas faire passer. Chaussures rouges, quelques gens, et terminer sur même, tu vois, genre te faire passer chaussures rouges il y a 10 jours, le 29, quoi, et faire passer chaussures marron, genre le 10, ça aurait été marrant, quoi. Juste pour marquer le coup, en essayant de rester RP, quoi. Et donc l'annonce a été le 29, moi je suis connecté jusqu'au 4. Mais comme je voyais personne, bah voilà. C'est comme ça. J'ai vu Barry, j'ai croisé Yuri, j'ai croisé Salade, enfin Jules, qui maintenant lui est parti, hein, puisque. Alors j'ai pas vu comment ça s'est passé, mais j'ai vu son message d'adieu. J'avais croisé Sergio, mais pas tous en même temps, quoi. C'est-à-dire qu'on était souvent que 2 ou 3 le soir, quoi. Mais le 29, elle était là. Le 30, elle était là. Après, elle m'a dit qu'elle reviendrait. Enfin, elle était là, mais elle n'avait pas resté longtemps. Elle est restée une demi-heure. Après, elle a dit ouais, je serai là demain. Et après-midi, demain soir. Et après, bah, en fait, je l'ai plus revu jusqu'au 4. Il n'y avait plus Tristan. Il n'y avait plus Diego. Bon, Diego, de toute façon, il nous avait annoncé qu'il ne reviendrait pas. Tristan a annoncé qu'il ne reviendrait pas. Jules est parti, Thiago a annoncé qu'il reviendrait pas, Rosa aussi. Je te comprends, je te comprends. Ben c'est ça, et en plus on réclame pas, hein. C'est le principe. On réclame pas. Hein. Ben moi j'étais déçu parce que j'avais commencé à faire un beau réseau de PM. Enfin déçu, c'est pas grave, hein, mais c'est comme ça. Mais c'est vrai que j'avais commencé à avoir un beau réseau de PM, j'avais pas mal d'interactions avec les PM, j'aimais bien ça. Il y avait Bradley qui aimait bien ça aussi. Et on s'amusait tous les soirs à rencontrer les PM et tout ça. Et du coup, bah, on se sera juste croisé une seule fois, vite fait, quand c'était pour l'histoire de la course, là, la rencontre avec Jules avant et après pendant la course. T'as pas envie d'aller sur Sauze?
ça reste un serveur qui est très proche dans l'idée de... Enfin, je connais pas le serveur puisqu'il n'y a pas de stream dessus et que j'y suis jamais allé, mais apparemment c'est un serveur qui est très proche de Philly dans l'idée, quoi. Ouais, c'est vrai que tu m'avais dit aussi, mais... Ce que tu m'avais dit, c'est vrai. Ouais. Je pense que j'aurai le temps d'en faire encore une petite. En plus, ça se jouait vraiment à pas grand-chose. Hein. Je pense que s'il n'y avait pas eu l'annonce, Ava avait déjà prévu de te recruter dans la, pratiquement dans la semaine, quoi, la semaine d'après. Quoi. S'il n'y avait pas eu l'annonce du 29, ça serait frais, ça serait fait début septembre. Quoi. C'était vraiment dans les plans. Et re-coucou Thomas. Et re... ça va être... Alors, attends, j'ai pas regardé. Je crois que c'est 120... Ouais, 120. Je te les mets dedans ? Ouais, s'il te plaît. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Il te reste des trucs dedans ou pas ? Non, non. Là, j'ai 50 derniers que je vais te déposer. Et après, je fais une petite dernière tournée. Ça sera bon. Un dernier aller-retour et ça sera good. Ok, ça marche. Je vais chercher l'argent. Ouais, ok. Ah bon ? Alors pas du tout, Saga. Il y avait Sergio. La seule chose que Sergio... Que Sergio, il avait juste peur que tu sois un peu timide. Un peu timide, ouais. C'est tout ce que la discussion. Mais par contre, nous, on était tous OK pour... tous ceux avec qui j'avais discuté, ils étaient OK pour te recruter. Et de toute façon, comme on disait, la période de chaussures rouges est là pour tester et pousser les gens un peu à, comment dire, à se dépasser, quoi que ce soit. De toute façon, quoi, c'est à ça que servait la période de chaussures rouges, non Et voilà l'été 720, Thomas. Désolé, hein, j'ai dû parler un petit peu avec Leroy. Non, mais de toute façon, je suis pas mesure. Comme je te dis, je vais faire juste une petite dernière tournée pour la soirée et après, je vais aller me poser chez vous, boire un petit coup. Oh, bah, super. Ah, ok, bah tout de suite, hein, je refais juste aller, je reviens. Non, mais tu sais, Sergio, monsieur Cody, il était toujours un peu dans l'inquiétude, mais non, mais on a vu la discussion, et nous d'ailleurs avec Jules, il y avait qui quand on a discuté, Jules Bradley, il y avait Malène, il y avait aussi Billy, et on était tous en train de dire bah non, de toute façon nous on est OK pour recruter Daisy,
Et on verra bien la période de chaussures rouges, c'est celle-ci qui détermine tout, comme d'habitude, quoi, en fait. Donc, c'est pas la peine de s'inquiéter avant le début d'une période de chaussures rouges, puisque de toute façon, c'est à ça qu'elle sert, la période. Voilà, quoi. Yeah. Je regarderai ça. En plus, quand tu vois comment Daisy travaillait pour Mirror Park, ça aurait semblé étonnant qu'elle soit une taupe pour RNG quand même. En plus, Ava avait complètement confiance en elle, puisque c'était pratiquement Ava qui s'occupait de Daisy tout le temps, quoi. C'était... à chaque fois, elle nous disait, si Daisy est truc, c'est de la mettre, si elle demande... J'ai donné de la mettre à Daisy. Et en plus, Ava comme Diego, c'était eux qui étaient pratiquement toujours décisionnaires pour recruter les gens, quoi. Je sais qu'Ava était très dans notre recrutement pour Ross et moi, c'était Ava. Pour Malène, c'était Ava. Pour Bradley aussi. À ce jour, bah tu sais, hein, je suis pas loin de ça, hein, vraiment, c'est comme moi, hein, je suis recruté par Mirror Park à quelques jours près, on perd le biz, même pas eu le temps de goûter le biz, après on a la période sans biz qui est pêche à la tortue et tout ça, bon, qui est un peu chiante, on récupère un nouveau biz et quelques jours après ou quelques temps après, fin du serveur. J'ai pas eu vraiment le temps de vraiment goûter. J'ai eu mon straighter genre 2 jours avant l'annonce, quoi. Donc, même pas eu le temps de profiter de l'histoire d'avoir le straighter. Alors, évidemment, par rapport à toi, j'étais un peu plus. Ça, je dis pas le contraire. Mais au niveau frustration, c'est quand même pas mal aussi, quoi. Ross n'aura même pas eu l'occasion d'avoir eu son straighter et son tatouage. Entre ses problèmes de cou et après ses vacances qui se sont enchaînées derrière, il s'est retrouvé à être absent pratiquement 3 semaines. Et donc du coup, bah, c'est pareil, lui, en fait, il n'aura même pas vraiment profité du tout de Mirror Park parce que il sera passé chaussures marron. Tiens, j'ai vu le bordel. Il sera passé chaussures marron et il aura été absent tout de suite après, quoi, en fait. Ouais, tatouage sur le ventre. Face, avec une tête de mort que tu as en même temps que t'as le straighter, en fait. Donc à peu près un mois après que tu passes chaussures marron, quand tu passes ce qu'ils appellent T2, en fait, parce que quand t'es chaussures marron, t'es T1, et après quand tu es validé T2, tu as le straighter et un tatouage commun à tous les mirrors sur le ventre.
qui évidemment que tu n'apprends que un mois après. Donc d'ailleurs quand tu rentres chez le tatoueur, tu on te l'explique que c'est le tatouage de Mirror qu'on te met sur le ventre et pour lier et là à partir de là à vie aux membres de Mirror quoi, en fait. Et bah, je l'ai fait genre le 27 ou un truc comme ça et mais non. Ah bah de toute façon, je pense que tu peux, mais là, je pense que je ne sais même pas si tu as besoin de demander. Hein. Tu peux compléter, mais le problème, c'est que maintenant, ça sera pas pour l'histoire, comme on dit, hein, parce que... Je sais pas. Tu peux toujours demander à ton bille, mais je pense que vraiment... Je sais pas parce que je sais pas du tout dans quel état d'âme et dans quel mood est Tombi. Je pense que vraiment pas évident pour lui, c'est pas évident pour Diego, c'est pas évident pour Ava, hein, vraiment parce que bah alors Tombi c'est encore pire parce que lui ça faisait je sais pas des années, il était chef depuis 2022 je crois. Mais il est rentré à Mirror en 2020, je crois. Hein. Un truc comme ça, ça faisait au moins 4 ans qu'il y était. Ouais, et franchement, il a pas. Il s'est pas connecté et après, il a pas communiqué sur Mirror longtemps. Parce que je pense qu'il a été. Pour lui, c'était compliqué. Hein. Et à Mirror, c'était vraiment. Ouais, merde, j'ai raté le. Pour certains, compliqué. Hein. J'ai même comme Mazet chez DP et compagnie, il y a des trucs qui sont un peu compliqués. Hein. Non, bah, tout va bien, t'inquiète. C'est mon dernier tour de toute façon. Après, je vais aller voir un coup au U-Bar tranquillement pour faire un peu de. Papoter un petit peu. Hier, on n'a pas travaillé du tout. Hier soir, on a été à la soirée du U qui était à la plage là. On a croisé Ben Big qui est venu avec un katana pour parler aux gens du karting. Pas de chance, quand il est arrivé, il y avait 3-4 flics sur place. Ça, je te comprends.
Bah oui, oui, c'est un peu ce qui s'était aussi passé pour Ross, qui avait été absent la semaine où nous on a fait le truc, et du coup Malène et moi on a été pris, et du coup ça a décalé l'intégration de Ross. Donc du coup ça a tout décalé pour lui plus tard, et donc ça s'est enchaîné avec l'histoire de la déconnexion, du problème internet, plus les vacances, et donc du coup ouais, par rapport à nous il a été complètement retardé surtout quoi. Et après il devait revenir le 28 et il a attendu le 28, il a pas pu se... il est arrivé un peu tard, donc il a dit bon je me connecte le 29, et le 29 après la réunion il avait plus envie hein. Il avait plus envie. C'est libre, quoi bon quoi. Et il a bien fait parce que de toute façon il y avait personne. Ah oui, quand même, pas cool. Ouais, d'accord. Donc, vraiment, le straighter voulait pas. D'accord. Ni d'un l'un, ni dans l'autre. Ce qui était bien avec lui, c'était surtout le côté que ça passe partout, quoi, en vrai. Hein. Le straighter. Et à tourner, enfin, quand j'ai fait la CP avec les manques de mirror là, pour le test, bah, tu prends les virages, bon, il était boost à fond, mais les virages et tout, c'était impeccable, quoi. Tu tournais à fond, quoi, dans les virages. C'est vraiment un véhicule incroyable. Hein. Alors, il n'a pas une en vitesse de pointe, il est pas exceptionnel, donc il se fait vite rattraper. Mais par contre, en virage et en off-road, il est incroyable.
oui, oui. Bah moi j'aurais, ouais, j'aurais kiffé pouvoir au moins faire des CP contre la police. J'ai essayé le soir où j'ai reçu le traiteur, pas un seul policier qui m'a poursuivi. Pourtant je suis passé deux fois devant le commissariat plein de balles et tout, à 180. Et après il y a Dristan qui m'a poursuivi avec Ava. Et c'est quand je suis allé dans les villas qui m'a attrapé quoi. Mais sinon j'avais fait une belle CP pendant longtemps avec lui. Alors ici sur Cali c'est pas pareil, tous les véhicules sont stock. Il n'y a pas de customisation possible des véhicules. Il n'y a que la customisation visuelle, mais pas matérielle en fait. Donc en fait, du coup, tous les véhicules, bah, il faut les choisir correctement stock parce que. Ouais, bah surtout quoi, les CP. Moi, j'en ai fait quelques-unes, mais beaucoup plus quand j'étais. Enfin, pratiquement toutes, à part celle-là, j'avais pratiquement tout fait sur. En tant que PM, quoi. En fait, c'était là où j'en ai fait le plus. Hein. D'ailleurs, dans une mythique où on était poursuivi par 5 voitures de flics après avoir fait une ammunition avec Ross. C'était vraiment pas mal. Et voilà, c'est ma dernière. Non, non, mais pas de soucis, t'inquiète. Et donc voilà, 120 blés. Après, je vais aller prendre une douche, je me change, je viens boire un coup chez vous. Ah, bien raison. Madame, t'as dit qu'on allait faire ça, c'est ça? Hein? Ah non, je me suis dit, bah, après avoir bossé, tu sais, prendre une petite douche, me changer, aller venir me détendre avec une petite bière chez vous. C'est oui, vraiment. Ouais, chez nous ici, c'est ça que tu veux dire. Ah oui, oui, ici, ouais. Ok, d'accord. Ah ouais, chez OUU, quoi. Non, c'est parce qu'on va probablement fermer et qu'on va aller faire la fête chez nous, chez nous. Ah d'accord, bah écoute, tant mieux. Tant mieux pour vous. Alors, ouais. Non, mais. De toute façon, j'ai passé là. Ouais. Répète-moi, il y en avait combien, tu m'as dit? 120. C'était du blé. Ouais, du blé, ouais. Ça fait 720. S'il te plaît. Ok. Est-ce que je pourrais te demander... 4 jus de pomme, s'il te plaît. Ouais. Parce que là, je vais mourir de soif. Attends. Hop. Je dois valider ça. Jus de pomme. Jus de pomme. 4, c'est ça? Ouais, 4, s'il te plaît, ouais. Ok. J'arrive tout de suite. Ouais, je bouge pas. Je suis tombé dans le coma dans 2 minutes. Enfin, 2 minutes, c'est un peu plus. Alors,
c'était la voiture. Ouais. Et les quatre jus de pomme. Voilà. Attendez. Et c'est parfait. Merci. Ah bah c'est gentil, merci beaucoup Liri. Bon bah tout à l'heure. Allez, je vais me... non, je pense pas, j'ai pas le tien non plus d'ailleurs. Non. Alors moi c'est Thomas donc. Ouais bah ouais, c'est bon. Et c'est 85-53. Ouais non, j'ai pas en effet. Moi c'est 1500. Ah, c'est bien que ça comme du bureau, 1500. Ouais, 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 super. Ça y est, c'est noté. Ça, c'est combien, 85-53. 8553. Putain de téléphone. Voilà. Nickel. Ok. Bon, bah, tout à l'heure alors. Je vais me rafraîchir un coup. Allez, à plus. À plus.